Salut à tous! Donc on se retrouve aujourd'hui, encore et pour toujours, sans aucune surprise, sur Hitman Absolution. Donc on se retrouve pour la mission numéro 4. Et la mission numéro 4, comment elle s'appelle? Bah elle s'appelle Chasseur et Proie. Donc ça va être une... Ouais si, ça va être une mission assez compliquée. Assez complexe, pardon. Donc je vous laisse la cinématique et je vous dis à tout de suite. C'est foutu, à mon avis. Si tu veux un bon conseil, prends la fille et cours. Courir n'a jamais été une option pour moi. D'après mes sources, la fille est à Chicago. Moi et les gars, on y va dès que possible. J'ai besoin de toi pour superviser l'opération. Alors, t'en dis quoi? Wade? J'ai entendu. Vous voulez que je récupère une fille? Elle s'appelle Victoria. Dom t'appellera pour te dire où la trouver. Elle se cache quelque part. T'as compris? Eh ben, sacré remue-ménage pour une fille. Elle doit vraiment être spéciale. J'emmène les gars. Ça veut dire qu'on double tarif. Prends Lenny avec toi. Il la ramènera quand tu l'auras trouvée. Lenny? Lenny n'a pas de folle. Alors on triple. Ce gamin, tu me plais. 25. 39. 26. 37. 30. 35. Ok. Lenny, amène-toi et donne-lui du feu. Allez, pas de feu. Lenny n'a pas de feu. La ferme, Wade! Je l'aime bien, ce vieux Wade, ouais. Moi, il me file la chair de poule, ce salaud. C'est peut-être pour ça que je l'aime bien. Leg Dexter est un salopard de la pire espèce, c'est clair, mais le type dont tu dois vraiment te méfier... C'est son informateur, Dom Osmond. Le propre yo... Phoenix and Globe sur Bristol Street. Ce type est un vrai fils de pute, si j'en connais un paquet. Malin et il a un bon réseau. Il faudra que quelques jours, pas plus, pour retrouver la fille chez les bonnes sœurs. Comment sais-tu pour l'orphelinat? Si Chicago le sait, alors je le sais. Et pour Dom, c'est la même chose. Envoie-moi sa photo. Donc voilà. Alors, je vous explique un peu la situation. Donc en fait, j'ai dit des conneries dans la vidéo précédente. Lex Dexter, est en fait un trafiquant d'armes. Que dire de plus? Celui qu'on a vu là, qui était en train de bouffer une bête de poulet, bah lui c'est aussi un enfoiré. C'est le deuxième enfoiré le plus chiant de l'histoire, mais on va dire c'est le premier qu'on va tuer quoi. Bref. Donc là notre but ça va être d'aller tuer Dom Osmond pour pas qu'il dise à Wade etc. que la fille elle est dans l'orphelinat. Alors on va bien galérer quand même parce que malgré tout c'est... Je connais pas du tout la map par cœur tellement elle est complexe, etc. Enfin, bon. On va essayer de faire au mieux. Puis si je me fail, au moins ça fera plaisir à ma copine. Alors là, faut qu'on aille dans une boîte de striptease. Bah, ça va être cool, comme ça on va voir. Ouf. Oulolololo. Oh, t'es pas cool. Tu tombes pas par ici. Ah, j'ai récupéré une corde à piano. Ça, c'est cool. Viens pas vers moi. Voilà. Tournez-vous, vous là-bas. Toi aussi. Allez. Allez, on se barre. Ils sont chiants les flics, hein. Ils sont vraiment partout. Je te créerai bien la panse, toi. Allez, c'est parti. Oh le con.
Vite, on va. Donc ici, il y a quelque chose, mais je crois que ça mène nulle part. Donc bah, en fait, ça sert à rien. Ouais, si, on va essayer quand même. Qui ne tente rien à rien. Non. Ah, j'adore. Il y a toujours des mégots de cigarettes, en fait. Les gens, ils... Bon, on va reculer. Je vois pas du tout où ça mène. Un chemin sans... Enfin, je veux dire, je vais pas prendre un chemin si je sais pas du tout où ça mène, quoi. Surtout avec le nombre de flics qui traînent dans les parages, ça serait un peu... suicidaire. Ouais, donc là, on va remonter. Là, par contre, je connais. Oh, on va aller faire un tour ici, quand même. Ça mène... Ah oui, je vois où ça mène, ça. Par contre, ça mène dehors. Oh. Et voilà. Il va certainement avoir un mec qui va venir regarder dans le rebord et donc là il faudra faire ça. C'est généralement comme ça que ça se passe. Faut que rien pour faire mentir. Il y aura ouais. Personne. Est-ce que vous avez vu récemment dans le coin un type chaud qui est dans la quarantaine de Excusez-moi monsieur. Il y a quelqu'un? Une porte pas de bon fruit est coupée et... Oh, écoutez monsieur, révérend c'est ça? Vous êtes pasteur? Ouais. On essaie seulement de vous protéger, vous savez. On n'en a pas après vous, c'est juste que cet homme, il est très dangereux. Non, il a trop bon dans le grenier. Bon, vous pouvez partir. Oh, mais tiens, on a encore retrouvé le sosie de Danny Boone. Oh, sauf que lui, il a un peu moins de cheveux, quoi. Il me stresse, puis j'ai pas. Ah, j'ai pas mes Silver Bowl. Hein? Ah, ils ont repéré un décor que j'ai laissé. Oh là. C'est tout petit, frère, presque flippé derrière son mur. Oui, parce que ici ils ont des... Dans ton genre, il faut arriver à déchiffrer ce qu'ils racontent. Ah, je sais pas. Là, il y a un mur, on peut passer. Oui, on sait que vous avez trouvé quelqu'un, de toute façon, où je suis, on pourrait pas venir le chercher. Je peux peut-être monter par ici. C'est un truc à tester. Et voilà. Ça va être trop bon. Oh mon dieu, je peux monter alors. En face là. Ouais, ça aurait pu être possible en plus. Peut-être qu'il faut... Oh, le truc qui m'a fait se bouler. Un peu dans le style flippant, t'es heureux quoi. En plus, je suis sûr, s'il me voit, il va totalement me spotter. Je pense pas que je peux m'habiller en tocard. Bon, on va essayer, hein. On va la perdre. Ah, je peux pas le... Je peux le lâcher par... J'aimerais bien te faire tomber. Voilà. Moi bon, j'ai tué un innocent. Bon, je suis un peu comme ça, moi. J'essaie de trouver un endroit où on pourrait monter. Et pourtant, ça m'a l'air d'être bien pour monter et tout, mais... Mais non, mais pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah, j'ai fait une grosse connerie. C'est la police. C'est la police. Ouh, ouh. Ça sort de la police. Ouh, ouh.
puis habillé en costard comme ça, je passe pas très loin quoi. Oh non, j'ai fait le con. Oh putain, faut que j'aille chercher le bidon d'essence ici. On va se mettre en mode élimination de flics. Oh 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 oh. Descends, cache-toi. Non, pas par ici, descends. Allez, viens par ici, keuf. Tu ne m'as pas vu. Oh, c'est bon, tu m'as pas vu, t'as vu. Viens, jeter un coup d'œil, viens. Viens, on est bien. Et vous savez quoi, on va faire... Oh là. On va se mettre en mode briquet et on va... Putain la vache, ça fait 11 minutes déjà que je suis sur cette... Je suis même pas à la première partie de la mission quoi. Oh. Toi t'es pas sympa. Ah, j'adore l'effet de la pluie, je trouve ça trop bien fait quoi. Oh merde. Suspect un homme blanc, chauve et d'âge moyen. Il y a encore des cadavres là-bas. Si je passe. Oh ouais. Non, non. Je suis gentil, je suis gentil. Salut, je suis gentil. Cours. Ah ouais, c'est foutu. C'est cuit, c'est game over. Bon bah allez, hein. J'ai eu 6 balles. Ah, ouais, je me suis fait défoncer. Ça fait 10 minutes que je tourne et puis je viens de me faire défoncer. C'est génial. Oh, j'ai fait le con. Ah oh, bah oui. Oh, oh le boulet. Voilà, bah ici y'a quoi. T'as même pas un couteau les radins. Toujours des pigeons. Hein. C'est comme les canards, c'est la marque de fabrique d'Hitman ça. C'est dingue. Et pire c'est que genre de potoir ça dit vraiment quoi. Pauvre gens qui habitent dedans. Donc, tu m'as pas vu. Toi non plus. Pas un mec qui fumait sa clope par ici. Ouais, le chat doit être là depuis un moment. Bon, laisse tomber. Oh, fumeur de clope. Ah, mais c'est pas cool, s'il est pas là, comment je vais faire pour prendre un aiguillement, moi. Il va se pointer. Je crois qu'il va se pointer à un moment donné. Voilà.